Merci M. Pagan, merci M. les organisateurs. Je voudrais dire que nous sommes ici pour penser, sinon repenser le Gabon. Le Gabon est malade. Et en deux minutes, c'est difficile de sortir un diagnostic. Je voudrais non pas répondre à Roger, vice-président de Dynamique Militaire, mais dire que je suis de ceux qui choisissent de mettre à contribution tous les leviers pour sortir le Gabon de la crise. Tous les leviers, parmi tous les leviers, il existe l'élection. C'est pourquoi je suis candidat déclaré à la présidentielle de 2016. Pour viser les deux monstres qui tiennent en otage notre pays. Ça s'appelle la France. La France qui est possédante de la France-Afrique, qui est le système bancaire pour les gens, qui est le sous-traitant de la France-Afrique. Ce sont les deux monstres qui prennent en otage notre liberté politique, économique et militaire, et sont officiellement via des accords de coopération à la paix que nous avons signé avec Paris, qui autorisent légalement la présence des bases militaires françaises au Gabon, qui autorisent légalement la manœuvre de siège que le français CFA qui nous tient l'otage et qui ne permet à aucun pays du sous-tutorat français de se développer concrètement. Le diagnostic du Gabon commence par identifier clairement le mal, et le mal de la classe politique. Ce problème de tout l'intérêt politique, ils ont peur d'Afrique, ils ont peur de perdre un poste, ils ont peur de perdre même comme à la concertation actuelle. Mais certains sont partis au régime de présence, tout le monde le sait. Donc, identifions. Et si quelqu'un connaît une voie qui peut nous aider à sortir de là, je suis partant. Mais n'excluons aucune voie et que l'élection. Cette version du président de la CGE qui est en fait un sapage moral de Gabonais pour dire on est pas contre. Vous voulez écouter, mais c'est ça le but. Nous sommes en guerre pour libérer le Gabon. Et battons-nous avec toutes les armes envisageables pour détruire cette démence, la France-Afrique, le système d'un protégé. Libérons le Gabon ensemble,